Un petit creux. Enfin. Zerek Besh montre son visage. Vous tous, représentez l'une des plus puissantes organisations criminelles de la galaxie. Les Pikes, l'Aube Écarlate, les Huts. Le crime organisé connaît son âge d'or. La petite étoile de la mort de l'Empire a explosé et les forces de l'ordre sont trop occupées à traquer la rébellion. C'est le moment idéal pour engranger des millions. Mais, à ma grande surprise, l'un d'entre vous a envoyé un espion dans ma propre maison. Alors que nous aurions tous pu partager un festin. Ça suffit, Sliro. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour écouter tes mensonges, pendant que Zerek Besh saccage nos routes d'épices. Dadian et toi, Maral. Je dors. Vous savez, mon frère était l'héritier de la fortune familiale. Il n'est plus là maintenant. Vous me faites penser à lui. La Pnekoluta. Il n'y en avait toujours que pour lui. Même à table. S'il avait fini son assiette, il enchaînait avec la mienne. Et alors je le regardais, s'empiffrer, le ventre vide. Et en quoi ça m'intéresse? Si Zerek Besh veut des partenaires, oubliez ça. On a essayé, ça n'a jamais marché. Des partenaires? Vous m'avez écouté? Je meurs de faim. Et c'est l'heure de manger. Je sais, t'as faim. Laisse-moi une minute. Ça devrait marcher, non? T'inquiète pas, on va te trouver à manger. Ouais, moi aussi j'ai faim. Oh, il nous faut de la vraie nourriture. Le scanner de la police est calme ce soir. Espérons que ça change pas. Je me suis assez entraînée. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Thank you.
qui laisse passer une sacrée occasion. Je connais pas cette équipe, j'aime pas ça. Préviens-moi si tu changes d'avis. Alors, Bram, c'est pour moi ? Non. Mais ça, oui. Ah, mon pic de données. Oui, et c'est cassé. Une petite vermine me l'a vendu sur la place. Il dit qu'il l'a trouvé sur le territoire du sixième parent. Et maintenant, tu vas me dire que jouer avec le sixième parent, c'est une mauvaise idée. Tu vas te faire tuer, surtout. C'est une autre façon de le dire, oui. T'as pas d'équipe, Kay. Et tu continues à vouloir tout faire toute seule, des gros coups qui marchent jamais. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit. C'est ça. C'est la faute à pas de chance. Pas de chance ? J'ai plus de boulot, pas d'argent, et je vis dans un grenier. Reste au sabot brisé ce soir. Mange quelque chose. Laisse-moi te trouver un contrat, un petit contrat minuscule, une arnaque facile. Tu pourrais aussi me donner le contrat sur ta tablette, là. Bien essayé. Alors je me débrouillerai. Prends quelques crédits pour le pic de données. Pas la peine. Une avance sur ton loyer, alors ? J'ai dit pas la peine, Bram. De données foutues. Allez, Nyx, on va voir Priman. Et après, on va au club Tarsus et on récupère les fausses identicartes dans leur coffre. Avec un peu de chance, on pourra prendre une navette pour les mondes du noyau. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est la facture. Pour les 3000 warren que ton animal m'a volé la semaine dernière. Eh, tu sais même pas si c'était Nyx. J'en ai jamais vu d'autres comme lui. Alors soit tu paies très vite, soit je le dénonce. Qu'est-ce que t'en penses, Nyx ? On retourne au sabot brisé pour faire un pari ? Comment ça va, les affaires, Valek ? Un peu trop bien. J'ai même pas le temps d'aller parier aux tables de Fagers. J'ai même un tuyau sur le gagnant, d'ailleurs. Bah, je pourrais placer ta mise pour toi ? Comme t'es un ami. Tu ferais ça ? Ce serait super. Il y a une tablette pas loin. Un ami a mis le nom du gagnant dessus. Tu la trouves et tu paries tout. Vraiment, aucun problème. Oh, je m'en voudrais presque. Il y a beaucoup de fouilles ce soir. Les policiers vont avoir les poches pleines de crédits. Les parents vous a rendu un grand service en vous trouvant du boulot. Vous, bande de petits vénards, vous allez gérer les courses, mais vous allez les gérer en notre faveur. Et comme on vous dit, si on vous dit de laisser une porte mal fermée, vous la laissez mal fermée. Si on vous dit de fermer les yeux, vous voyez rien, c'est compris. Et notre parrain nous, ça nous regarde. La prochaine.
prochaine cargaison est pour bientôt. Voilà, Priban. Priban? No patake! Chichi no gabetisa tu gamna? Una six king pint ut, jidwana uba japago ya massif, no lia club tasis! Allez, je vais simplement faire réparer mon pic de données. Anji chusa tajis kalif. Sosa uba ropada tis. Son pitch crispo. J'ai besoin des fausses identicartes de la chambre forte pour quitter cette planète. Kanto, j'en ai ma claque. Aba kanto sa ti uba. Bah encore mieux alors. Ici, j'ai que deux options. Le sixième parent ou la prison. Aku, an uba tinka za kutu utwata. Au moins, avec ce que je sais faire, je pourrais gagner ma vie. Peut-être même voir les mondes du noyau. Priban, aide-moi une dernière fois et on se reverra plus jamais. Eniki, kuduba no majeche kopa. Pasabata jope uba vepta jakrita. Allons prendre quelques crédits. Priban ne voudra pas m'aider si j'ai pas de crédit. Tout ce dont vous avez besoin, trouvez les mêmes endroits. Grand chance. Beau boulot, Nyx. Tous les marchands sont partis pour la coupe de Kanto. C'est pas croyable, tout ce qu'ils jettent aux ordures. Je viens de trouver deux transformateurs impeccables dans l'allée derrière le club. Je te rappelle que c'est le territoire du 6ème parc. Thanks.
Bon, allons voir Priban. Oh, tu veux des petites gratouilles, Nyx? T'es tellement mignon. Ok, Priban. J'ai les crédits. Wata. Chubaka va bia sa djebe chutpa se bata. Allez, on va l'essayer. Passer là. Ok, trop tard pour revenir en arrière. Accroche-toi, Nyx, on grimpe. Non. Et toi? Non. Il paraît
sauvage ou cool. On vient ici tous les jours. On approche. Identicarte est dans le bureau du patron. Allez dans le bureau de votre patron. Je dois de l'argent à Wen. Je veux être sûre qu'elle le reçoive. Comptez pas dessus. Vrel monte la garde ce soir et il laissera passer personne. Ah, un gros dur, pas très aimable, c'est ça? Ouais, il s'intéresse qu'à deux choses. Les crédits et les speeders. Il vient de s'acheter un T-85 flambant neuf. Et je suppose qu'il arrête jamais d'en parler? Il l'aime encore plus que sa propre mère. Bon, je vous sers quoi? Rien, merci. Je crois que j'ai ce qu'il me faut. Ça, c'est mon genre. Je suis Kay, et vous allez me laisser passer. Tu n'es pas sur la liste. Mon ami Priban m'a mise dessus. Priban aurait dû payer un peu plus, alors. Dites, vous connaissez quelqu'un qui a un T-85? Ouais, il est à moi. Joli comme speeder. Il y a des ferrailleurs en train de le désosser. Quoi? Laisse-moi passer. Personne touche à Titine. Je vais me faire moder. Ça a marché. On jette ce verrou, on prend l'identicarte et on file. Regarde ça. Tout est là. Oh, sérieux, Priban, pas de capteur de pression sur les plans. C'est Kay Vest! Tank Farik, c'est pas bon, c'est pas bon. Ils veulent rien lâcher! Thank you.
faut qu'on se tire d'ici. Ça devait pas se passer comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pas le moment de manger, Nixie. On va faire, Nix. Le plan, c'était pas de se faire prendre. Ok, on a l'identicarte. Le sabot brisé. On y sera en sécurité. On fait profil bas un moment. On sort pas du grenier. On va faire ça. On retourne à la cantina. C'est le seul endroit sûr. Bram est pas là. Tant mieux. J'avais pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler. Tu crois?
croyais pouvoir entrer tranquillement et voler les scandocs les plus précieux de Kanto. Je te l'ai dit, Kay. Le sixième parent aura ta peau. Davis! Nous savons que tu es là, ne complique pas les choses! Tu ne dis rien, et tu ne fais rien. Non, 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 non! Allez, toi! Elle n'est pas là! Menteur. Vous croyez que j'ai envie de voir mon bar partir en fumée? Je m'en fous de cette gamine. En fait, je vais même vous aider. Hé, hey, je crois qu'elle est là-bas. Non. Tu nous ralentirais. Allons-y. Rab. C'est rien. Mais ta jambe... C'est rien, j'ai dit. C'est un nouvel équipage. Très risqué. Quoi qu'il en coûte, tu vas finir ce boulot. Le butin devrait être suffisant pour quitter cette planète maudite. C'est bien ce que tu veux. Il faut partir, Kay. Pour de bon. Je reviendrai. Non. Surtout pas. Le sixième parent est partout. Faut pas qu'il nous voie, Nix. Tu la vois, tu viens nous le dire tout de suite. Elle ne peut pas être loin. Pas de cachette.